darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Bonjour, 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 bonjour. On va commencer par votre maison ou appartement, madame, monsieur. Comment l'isoler? L'isoler, pas l'isoler. L'isoler, quoique l'isoler, c'est pas oui, mal aussi. C'est pas mal. L'isoler contre le froid et pourquoi pas aussi contre le bruit. Est-ce que vous avez quelque chose qui fait l'affaire? Exactement, une isolation phonique et thermique en même temps. Cette plaque, ça va être une révolution dans le marché du bricolage. Pourquoi? Parce que déjà, elle est légère. Elle est... Bon. Ah oui, elle est assez légère. Ah bon? Par rapport à une plaque traditionnelle, elle est super, et j'ai oublié de vous le dire avant que vous cogniez dessus, elle est super résistante. C'est-à-dire que pour la casser, il faut vraiment prendre une grosse masse. Donc avec ça, vous allez avoir vraiment un revêtement hyper dur. Mais c'est quoi? Ben, c'est une plaque avec différents composés tenus secrets, puisque c'est une technologie allemande. Et l'intérêt de cette plaque, l'intérêt de cette plaque, effectivement, c'est incassable. Incassable. Qu'est-ce que c'est allemand. Technologie allemande. Et l'essentiel est invisible. Pourquoi? Parce que cette plaque va capter des composés organiques volatiles, c'est-à-dire des CO2. Ça remplace la mousse jaune là, qu'on voit quand on met... Ça a remplacé une sorte de plaque au plâtre, vous savez, le truc très mou que l'on met par-dessus et dont on peut enfoncer le doigt à l'intérieur. Ça, vous n'allez rien enfoncer à l'intérieur. Là, pour percer un trou... Ça coûte plus cher? Ça coûte un peu plus cher que la moyenne. En tout cas, ça piège les COV, c'est-à-dire le formaldéhyde, ces matières volatiles qui sont invisibles pour les yeux et pour les narines et qui sont dégagées par toutes les matières plastiques que l'on trouve actuellement dans nos intérieurs, les parquets en plastique, les meubles, vous savez, qui viennent du nord de l'Europe que l'on visse, qui sont aussi bourrés de formaldéhyde. Et avec cette plaque les piège. Qu'on ne comprend pas toujours. Exactement. Et cette plaque va piéger justement ces éléments toxiques. On l'utilise déjà beaucoup dans les hôpitaux, dans les crèches. Dans le domaine public. Et aujourd'hui, c'est à disposition du particulier. Comment on la pose? Regardez. Voici des plaques en apparence toutes simples qui vont changer votre vie de bricoleur et d'utilisateur. Faciles à poser, elles sont d'une résistance à toute épreuve et offrent une qualité acoustique et thermique hors pair. Mais elles cachent aussi un autre secret. Cette nouvelle plaque a des caractéristiques particulières par rapport à une plaque standard. Elle apporte trois avantages importants. Le premier avantage, c'est au niveau de l'acoustique, qui permet d'apporter un confort acoustique de plus de 4 dB et même dans des systèmes de rénovation jusqu'à 11 décibels. La réussite du chantier passe par une prise de mesure très précise des lieux. Le laser, c'est l'idéal. L'ossature est constituée de rails en forme de U qui vont recevoir les montants qui serviront à fixer les plaques. Puis, on insère la laine de verre, la base isolante. On n'a plus qu'à poser la plaque prédécoupée que l'on vient visser sur les montants. D'autres avantages ? Cette plaque ne craint pas les chocs, elle est très haute dureté, donc des coups de meubles, des coups de la vie courante, elle résiste très bien. Cette plaque peut encaisser plus de 200 coups de pied ou de coups de poing. Elle peut donc résister à vos meubles, coups d'aspirateur ou autres dangers du quotidien. Sans plus, elle fixe aussi les matières invisibles et nocives de l'air. On sait tous qu'il y a maintenant des composants organiques chimiques dans la maison, qui sont dans l'école, dans les peintures, qui sont dans tout ce qui est objet de la vie courante. Et ces organiques chimiques, qu'on appelle des formaldéhydes, sont reconnus comme nocifs pour la santé. La composition de cette plaque permet justement de capter les formaldéhydes jusqu'à 80% de ce qu'il peut y avoir dans une pièce. Elle reste même efficace si nous venons apporter une peinture ou un papier peint. L'enduit est simple d'utilisation et économique. On le malaxe, on colle et on enrobe la bande, on laisse sécher et on applique une passe de finition. Cet enduit il a la caractéristique de ne pas être à base plâtre, donc de ce fait il a un grain très fin, il est beaucoup plus blanc, il est très agréable à travailler. Ça permet aux particuliers une facilité dans la préparation et de mise en place. Pas les temps de préparation que l'on aurait avec un enduit en poudre. On n'a pas besoin d'aller chercher l'eau, l'électricité, etc. On gagne énormément de temps à utiliser de l'enduit prêt à l'emploi sur chantier. On retrouve cette plaque technique et dépolluante depuis quelques jours pour les professionnels et les particuliers dans tous les grands circuits de bricolage. À vos scies et visseuses. C'est un cocon.
Tellement c'est bien fermé. C'est là, un cocon et on est vraiment au chaud et au frais l'été d'ailleurs parce que ça a un double intérêt. Ah oui. Et vraiment ça diminue presque. Bref, ça isole quoi. Ça, ouais. Voilà. Ça isole du bruit, de la chaleur et puis ça piège les COV. Non, voilà. Ça c'est génial que ça piège les COV, c'est plus, incroyable. Ouais. Pourquoi vous avez des ennuis avec les COV vous? Ouais, ils m'attaquent. Elle les voit en plus. Ou les chansons.